saison délicate qui s'annonce pour ces joueurs. Ils doivent déjà courir après les points. Hein, quand ça démarre comme ça, c'est pas bon signe. Bon, je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment hâte hein, que ça commence. J'ai hâte de commenter ce match. L'affiche est belle, Hervé, c'est clair. Toutes les conditions sont réunies pour qu'on se régale. Les joueurs ont hâte de commencer, ça se voit, c'est chouette. La composition d'équipe de la Juventus de Turin. C'est un système sans surprise qu'a choisi l'entraîneur, un 4-3-3. Ah, c'est sans surprise, mais... La grosse occasion pour prendre l'avantage. C'est le défenseur hein, qui touche le ballon en dernier. Corner donc. Ouais, le bon corner de pied. Ouh, c'était moins une. Oui, il a bien fait de passer par là, lui. Ça a failli rentrer. Heureusement qu'il a eu le bon réflexe pour éviter ce but. Modric. Bale. Benzema. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ouais, c'est bien donné ça. Ouais, faute, estime l'arbitre. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ça fait quand même super loin du but, non? Ouais, sans problème pour le gardien. Ah non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. La Juventus qui va prendre l'aile. Personne pour la contrer. Pjanic. Ah, le bon ballon de Benzema. Et l'action n'ira pas plus loin. La Juventus qui va prendre l'aile. Personne pour la contrer. Ouais, c'est contré par Marcelo. Toni Kroos. Benzema. Chiellini. Et qui débarrasse. Long dégagement. C'est finalement récupéré par le Real. Ah, il fallait oser hein, quand même. Ce tacle dans sa propre surface, c'était dangereux. L'interception de Carvajal. Toni Kroos. Karim Benzema. Marcelo. Il s'avance vers la surface. Et il est dépossédé du ballon. Ce ballon qui est dégagé. Kroos. Isco. Isco, voilà ce qu'il a sur le maillot. Ça va plus vite à dire que son nom complet. Hein. C'est plus pratique. Ah oui, c'est sûr que Francisco Roman Arcelo Suarez, ça ne tient pas son maillot. Hein. Modric. Bale. Le redoublement. Oh, l'occasion peut-être pour Gary Bale. Corner. C'est un corner pour le Real. Modric qui va chercher un partenaire dans la surface. Ouais, bonne sortie du gardien. Ouais, ouais, fallait y aller sur ce ballon. Hein. Touche en faveur du Real Madrid. Voilà, ça, c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Les joueurs du Real Madrid qui obtiennent donc un corner. Allez, dans la surface, le corner de Modric. Bon, sans grand danger, finalement. Dybala. Isco. L'attaque enrayée par la défense. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. Toni Kroos. Attention, corner. L'occasion de prendre l'avantage peut-être. Modric qui va... Raphaël Varane. Allez, ça peut peut-être se jouer là. On a bien joué la défense, mais le danger n'est pas totalement écarté. Sami Khedira. Ça se joue à pas grand-chose, là, mais si ça crée d'autres occasions dans ce genre, ils finiront par marquer. La Juve à l'attaque.
Le centre, mais contré par le défenseur. Les supporters qui verraient bien leur joueur prendre l'avantage avec ce corner. Ouais, le bon corner de Pjanic. Et ça sort. Corner à suivre. Le corner frappé par Pjanic, pleine surface. Bien vu de la part du gardien sur le corner. Il est passé. Isco. Et le but. Le ballon qui a touché le poteau et qui termine sa course au fond des filets. Le ballon qui vient heurter le poteau avant de rentrer. Il trahit parce que c'est mon temps, comme on dit. Le Real Madrid qui prend donc les devants. Isco. Paulo Dybala. Nage même dessus de Turin à l'attaque. Juan Cuadrado. Ballon bien capté par Courtois. Paulo Dybala. Modric. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Le ballon en cloche pour Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo pour tenter d'exploiter ce ballon. Oh, l'égalisation ! L'égalisation, Pierre ! Ouais, ouais, les joueurs ont su créer le danger et profiter d'un petit peu de suffisance, peut-être, dans le camp d'en face. Et ils égalisent donc un but partout. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Cristiano Ronaldo. Alors ça, c'est n'importe quoi, cette passe, complètement à l'adversaire direct. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Joao Cancelo. Pjanic. Sacré parcours hein, quand même que celui de Miralem Pjanic. Ouais, mais c'est pas honte. Ah oui, la passe de Bale, bien vu. Benzema. Allez, le centre maintenant. Oh, le pénalty. Pénalty pour le Real Madrid. Sifflé à l'instant par l'arbitre. Ce penalty, il a parfaitement pris l'information avant de frapper. Il a vu froidement le gardien. Très bon péno. La Juventus est menée. La fin des 45 premières minutes sur ce score donc de 2 buts à 1. Luka Modric, qu'avez-vous pensé de sa première période? Il a donné l'avantage à son équipe juste avant la pause. Ça va le mettre en confiance pour la seconde période. Substitution for Real Madrid. Le Real qui a fait une bonne première période, Pierre. On va voir si tout se passe aussi bien en seconde. Asensio. Ah, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Juan Cuadrado. Ballon donné en cloche pour trouver Cristiano Ronaldo. Ah, ça va rentrer, ça y est. Bon là, ils sont complètement démobilisés là. Juste après avoir marqué, c'est un manque de concentration stupide. Allez, encore une égalité. Benzema. Casemiro. Luka Modric. Ouais, il est bien placé pour centrer. Ouais, bien joué Asensio qui poursuit son effort. Ouais, le défenseur qui dégage ce ballon. Casemiro.
Karim. Oh, l'occasion peut-être pour Gary Bale. Il prend la frappe. Oh, but du Real. Et le but. Qui s'est retrouvé dans une position idéale, bien sûr, pour marquer. Le gardien ne peut rien faire à cette distance. C'est la Juventus qui est donc menée au score. Allez, bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Ah, le bon ballon de Benzema. Modric, balle au pied. Choisit la frappe. Un corner, allez, pour creuser l'écart dans cette rencontre, pourquoi pas. Allez, dans la surface, le corner de Modric. Ouais, directement sur le gardien. Il n'y a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Très bon jaillissement là du gardien. Un ballon qu'il est allé chercher dans les pieds. Encore un bon ballon. Benzema. Bale. Oui, il va centrer. Et ce ballon qui est perdu. La touche. Très bonne intervention défensive. Alexandro. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre. Plus qu'une demi-heure à jouer. David Ceballos. En profondeur, oui, bien vu. Asensio. Et l'intervention du gardien. Ça, c'est bien joué. Une belle parade. Et pourtant, il avait tout à perdre sur cette action. Modric qui va chercher un partenaire dans la surface. Le gardien qui éloigne. Ce sera un coup franc pour la Juventus de Turin. Sami Khedira. Paulo Dybala. Ouais, la bonne interception et le danger qui va donc s'éloigner. Karim Benzema. Oh, la faute, oui, pas correcte ce tacle et l'arbitre, à mon avis, va le sanctionner. Et on voit qu'il commet bien une faute hein, sur ce tacle. C'est un peu emporté sur ce tacle glissé. Carton jaune et surtout un coup franc dangereux à suivre. Modric. Et c'est sorti, ce sera à nouveau un corner. Allez, dans la surface, le corner de Modric. Modric qui va chercher un partenaire dans la surface. Il manquait peut-être de conviction cette attaque. Il est un petit peu pris là quand même. Les joueurs sont bien revenus. Le contre en reste. Douglas Costa dans l'espace, bien vu. Le gardien qui repousse. Et cette fois, c'est capté par le gardien. Vingt minutes à jouer dans le temps réglementaire. Benzema. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Cristiano. Supporter de la Juve qui aimerait bien que leur équipe égalise. Ballon donné en cloche pour trouver Cristiano Ronaldo. Ah, dommage, c'était une belle opportunité, mais le drapeau s'est levé. Casemiro. Modric. Benzema. Benzema. Ah non, c'est raté. En plus, c'était une occasion de prendre le large. Sami Khedira. C'est Douglas Costa qui est alerté sur l'aile. Bonne interception. Faute hein, sur le joueur de la Juve. Coup franc donc. Il y a un bon coup à jouer sur ce coup franc. En jouant dans la surface, ce sera un bon début. Paulo Dybala.
Oh, la belle tête. Et surtout, quel arrêt, une action splendide. Marco Asensio. Cristiano. Il est redescendu pour jouer ce ballon, Karim Benzema, il a raison. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Ah, écoutez ça, Pierre, le score qui n'est pas favorable, mais le public qui croit encore. Cristiano Ronaldo qui arrête son action, car signalé hors-jeu. Dani Ceballos. Karim Benzema. Ouais, c'est bien fait, il a bien fait de ne pas se rater. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Gareth Bale. Gareth Bale, qui jouait plutôt défenseur au départ, hein, qui maintenant s'est imposé plutôt devant. Hein. Oui, oui, je l'ai vu jouer latéral gauche, même à Tottenham. Et puis, bah, il y a des joueurs qui reculent, lui, il avance. Et aujourd'hui, c'est un vrai attaquant, et en plus, au Real Madrid. Il va pouvoir centrer. Et c'est Varane qui renvoie sans se poser de questions. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Le score qui ne bouge pas alors que la fin du match approche. On sent que la moindre accélération pourrait être fatale. Carvajal. Casemiro. Modric. L'arbitre qui accorde donc un coup franc au joueur du Real. Il s'en sort bien avec ce simple petit sermon de l'arbitre. Oui, attention à ne pas trop provoquer l'arbitre maintenant. Hein. Gareth Bale. Ouh, il a failli trouver le cadre avec ce coup franc lointain. Ah, il devait se sentir en confiance pour tenter ça. Sami Khedira. Ah, il n'a plus le choix. Ils doivent marquer sur cette action ou sinon jamais. Ouais, ben, l'interception. Il est sorti de nulle part. Il a jailli. Et le Real qui a vraiment de l'espace sur les côtés. Une frappe lointaine, on ne sait jamais. Corner à suivre. Corner qui peut permettre à cette... Il est passé. Isco. Et le but. Le ballon qui a touché le poteau et qui termine sa course au fond des filets. Le ballon en cloche pour Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo pour tenter d'exploiter ce ballon. Course d'élan et le but, il marque. Ballon donné en cloche pour trouver Cristiano Ronaldo. Ah, ça va rentrer, ça y est. Bon, là, ils sont complètement démobilisés, là, juste après avoir marqué. C'est un manque de concentration. Casemiro. Karim. Oh, l'occasion peut-être pour Gareth Bale. Il prend la frappe. Oh, but du Real. Profondeur, oui, bien vu. Asensio. Et l'intervention du gardien. Ça, c'est bien joué. Une belle parade. Et pourtant, il avait tout à perdre sur cette action. Carton jaune et surtout un coup franc dangereux. Modric. Et c'est sorti. Ce sera à nouveau un corner. Il s'en sort bien avec ce simple petit sermon de l'arbitre. Oui, attention à ne pas trop provoquer l'arbitre. Gareth Bale. Ouh, il a failli trouver le cadre avec ce coup franc lointain. Ah, il devait se sentir en confiance pour tenter ça.